את משיחנו ינהיג הילתנו כולם יוצאים לגרדו לעזיז רבידה ופיתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובל את תפילתו לפני אלוקים Bishut Merav Rabotai, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. J'espère que vous allez bien. Mes amis, lorsque j'étais à Londres la semaine dernière, j'ai reçu une femme que depuis 10 ans, elle n'a pas d'enfant. Et elle me dit, Rabbi David, ça fait 10 ans que je viens chez vous, et ça fait 10 ans que je demande une bracha. Je dois vous dire que vous n'êtes pas le seul chez qui j'ai été. J'ai été chez personne que les rabbanim. En général, on va avoir d'autres personne qui nous donne des ségoulottes. J'étais que chez des rabbanim, les médecins et personne d'autre. J'ai pas été voir des marabouts, etc. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui. C'est comme quelqu'un qui vient chez moi et il me dit personne n'arrive à m'aider, même les marabouts, ils n'arrivent pas à m'aider. Alors je lui dis, si tu le mets tous dans la même assiette, je comprends. Mes amis, cette femme, elle me dit, Rabida, vous savez que le problème c'est mon mari. C'est mon mari le problème. Moi je n'ai pas de problème, moi je peux avoir un enfant. Quoi faire? Je donne la parole d'honneur. Je ne savais pas quoi lui dire. Ça fait 10 ans que je la connais. 10 ans. Elle vient tout le temps. Je ne sais pas quoi lui dire maintenant. Elle pleurait. Je ne savais pas quoi lui répondre. Et chaque fois, je lui dis, fais ça et fais ça et fais ça et fais ça. Elle me dit, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire. Je l'ai fait. Maintenant, quoi faire? Vous êtes mon espoir. Quoi faire? Je lui dis, madame, priez. Elle me dit, mais je prie. Est-ce que ton mari prie pour toi? Mon mari, il étudie. Mon mari, il fait la tzedaka. Je l'attends le soir jusqu'à qu'il vienne de ses cours de Torah. On fait tout. On fait Shabbat, on fait Nida, on fait tout. Pas d'enfant, quoi faire? Je lui dis, madame, je ne sais pas. Je sais pas. Si vous êtes tout fait, je vous comprends. Il faut prier. C'est tout. Mais il me dit, j'ai prié. J'ai dit, je sais. Il faut prier. Vous savez, que même que l'épée, elle est, ne s'agisse, même que l'épée, elle est à proximité de la gorge, pour couper la gorge, un homme, il doit prier pour que l'épée, il se casse. Il coupe pas sa gorge. Il ne gorge pas. Donc, c'est ça la Emouna. Alors, elle se lève pour partir. Merci, merci. Puis, j'avais une angoisse. J'avais de la peine pour elle. Je dis, madame, il faut pas tomber dans le désespoir. Priez. Alors là, elle m'a tué. Alors là, vraiment, j'avais des frissons. Elle me regarde. Elle me dit, elle parle en anglais, hein. Elle me dit, but how? Comment ne pas tomber de désespoir? Comment? Je vais rentrer dans mes 40 ans. Comment? Alors, elle m'a tué. Je dis, madame, vous savez, de la question de comment Hachem va m'aider, il va t'aider. Dans la prière de Arbit, on dit, et ça, enay ele harim, mais aïe avo ezri. Chaque nuit, on dit, lorsqu'on lève nos yeux vers le ciel,
Et parce qu'on a un problème, alors on n'arrive pas à résoudre le problème. Alors on lève les yeux vers le ciel, vers Abraham, Isaac et Jacob. On prie par les échos des tzadikim et on dit, mais aïe, c'est d'où? How? From where? D'où? Elle va venir la solution de mon problème. D'où? Et il dit David Ameller, Ezri me'em Hashem, mais aïn, de là où tu ne t'attends pas que tu vas avoir une aide, Hashem il va t'aider. Moi j'expliquais d'une autre manière. Si quelqu'un a un problème, il a pas de solution. C'est comme Harim, c'est comme des montagnes qui sont en face. Ça veut dire il y a un obstacle. Ça veut dire que c'est comme par exemple quelqu'un, il veut sortir de la chambre et toutes les portes qui sont fermées, ils sont verrouillés, hermétiquement, il n'a pas de sortie. Il va crever. Ah ben, vous savez quoi? Ah ben, Ezri Hashem, quand je m'en prie, peut apporter. Même qu'il y a un mur en face de toi, Hashem, il peut t'aider. D'où? Eh ben, de d'où il va t'aider? Il y a quelqu'un au Maroc, et cette histoire que je vais vous raconter, je vais vous la raconter demain. Entre-temps, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la bracha et la panassa. Amen. لنا زي خو